ces petites gares, ce n'est pas une personne. On inculpe des commerçants, des avocats, même des pasteurs. Les gens n'osent plus mettre le nez dehors. Les affaires n'en parleront pas. Les stocks pourrissent dans les entrepôts. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut que ça cesse, entendu? Nous sommes en train de nous ruiner nos propres mains. Que veux-tu que j'y fasse? Que tu te joignes à nous. Et qui êtes-vous? Des citoyens raisonnables. Et qu'avez-vous besoin de moi? Tu es l'homme le plus riche de la province. Nous n'obtiendrons rien si nous n'avons pas les riches avec nous. Il y a d'autres riches. Et ils viendront si tu viens. La réunion a lieu chez moi à 5h, je t'attends. Je ne viendrai pas, James. Ce mal nous est envoyé par Dieu pour nous punir de nos fautes. Oh, inutile, Thomas. Tout le monde sait que ta fille est à l'origine de cette affaire, alors prends garde. Prends garde toi-même. Si tu me compromets par tes folies, ma fille saura dire à la cour. Écoute-moi bien, Thomas. Si ta fille prononce mon nom, celui de ma femme, devant les juges, je te trouverai où que tu sois. Et je te lâcherai 2 balles dans le ventre. Vous voilà, punaise! Quelle sale besogne allez-vous faire? Oh! Le chinois! Tu vas te calmer, crapaud! C'est fini? Oui? Et voilà comment il faut les traiter.